السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ذکر چل رہا تھا. J'évoquais Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dans mes précédents sermons. On trouve mention des services qu'il avait rendus lors de la dernière maladie du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Selon le recueil d'Al-Bukhari, Ubaydullah bin Abdullah relate qu'Aïcha radhiyallahu anha racontait ceci. Lorsque le saint prophète Mohammed paix soit sur lui est tombé malade et que son état s'est aggravé, le saint prophète paix soit sur lui a demandé la permission à ses autres épouses d'être soignées dans la maison d'Aïcha radhiyallahu anha. Ses épouses lui ont donné cette permission. Sur ce, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui est sorti avec l'aide de deux individus. Ses pieds traçaient des traits au sol. Il se trouvait entre Abbas et une autre personne, c'est-à-dire qu'elle était dans la maison d'Aïcha radhiyallahu anha, et il en est sorti pour se rendre à la mosquée en prenant le soutien de deux personnes. Ubaydullah relate, « J'ai évoqué le récit d'Aïcha radhiyallahu anha à Ibn Abbas. » Et je lui ai demandé s'il connaissait ces deux individus. Il a répondu qu'il l'ignorait. Il y avait Abbas qu'avait mentionné Aïcha et l'autre personne était Ali bin Abi Talib. Abdullah bin Abbas relate, Ali bin Abi Talib est sorti de la maison du saint prophète Mohammed paix soit sur lui lors de sa dernière maladie ayant causé sa mort. On lui a demandé, ô Abul Hassan, comment va la santé du saint prophète Mohammed paix soit sur lui ce matin? Il a répondu, Alhamdulillah, il va bien ce matin. Sur ce, Abbas bin Abdul Muttalib a attrapé la main d'Ali et il a déclaré, par Allah, après 3 jours, tu seras sous l'autorité d'une autre personne. Car je constate par Allah que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui mourra bientôt des suites de cette maladie. Je reconnais le visage des Banu Abdul Muttalib au moment de leur décès. Partons voir le saint prophète Mohammed paix soit sur lui et demandons-lui qui sera élu calife après lui. Si le calife sera des nôtres, eh bien nous en aurons connaissance. Et s'il ne sera pas des nôtres, eh bien nous allons le savoir.
Et le saint prophète Mohammed, peace be upon lui, va nous prodiguer des conseils à cet effet. Ali a déclaré par Allah, « Si nous questionnons le saint prophète Mohammed, peace be upon lui, à cet égard, et qu'il ne nous confère pas cet honneur, eh bien, les gens ne nous l'accorderont pas après lui. Par Dieu, je ne questionnerai pas le saint prophète Mohammed, peace be upon lui, à ce propos. » Ce récit a été mentionné dans Al-Bukhari. Les mots arabes utilisés dans ce hadith sont Sayyid Waliullah Shah Saheb a commenté à ce propos dans son ouvrage. Il déclare que Abbas a déclaré qu'il tombera sous la tutelle de quelqu'un d'autre après la disparition du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. En fait, c'est une expression indirecte signifiant que le saint prophète, paix soit sur lui, rendra l'âme après 3 jours. Amir relate, après le décès du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, Ali, Fadl et Oussama bin Zayd ont lavé sa dépouille. Et ces mêmes personnes l'ont descendu dans sa tombe. Selon un autre récit, Abdurrahman bin Auf était aussi des leurs. Il existe plusieurs récits sur le serment d'allégeance prêté par Ali sur les mains d'Abu Bakr. Il est dit que Ali radiallahu anhu lui avait prêté allégeance tout de suite de gaieté de cœur. Et certains disent le contraire. En tout cas, Abu Saïd Khoudri relate ceci. Il déclare que les Muhajirines et les Ansar avaient prêté allégeance au calife Abu Bakr radiallahu anhu. Le calife Abu Bakr est monté sur la chaire de la mosquée. Ensuite, il s'est tourné vers l'assistance et il n'a pas trouvé parmi l'assistance Ali radiallahu anhu. Il a demandé à son sujet. Certains ansars sont partis et ils ont ramené Ali radiallahu anhu. Abu Bakr radiallahu anhu a déclaré en s'adressant à Ali, « Ô cousin et gendre de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que tu souhaites briser l'unité des musulmans ?» Ali radiallahu anhu a répondu au calife de l'envoyé divin, « Ne soyez point sévère envers moi. » Et sur ce, il a prêté allégeance au calife. Selon Tabari, Habib bin Abu Saïd relate qu'Ali radiallahu anhu était chez lui. Un individu est parti l'informer qu'Abu Bakr radiallahu anhu acceptait les allégeances des musulmans. Ali portait uniquement sa chemise et il est sorti rapidement dans l'état où il était. Il ne portait ni d'izar ni de manteau. Il avait peur d'être en retard. Ainsi donc, il est parti, il a prêté allégeance à Abu Bakr et il s'est assis auprès de lui. Ensuite, il a demandé qu'on lui apporte ses vêtements et il les a portés et il est resté dans l'assemblée d'Abu Bakr. Allama ibn Kathir relate qu'Ali ibn Abi Talib a prêté allégeance à Abu Bakr le premier ou le deuxième jour après le décès du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Ceci est la vérité car jamais Ali radiallahu anhu n'a abandonné le calife Abu Bakr. D'ailleurs, il n'a jamais cessé de prier derrière le calife Abu Bakr. Le Messie premier Islam déclare à propos de Ali radiallahu anhu. Ali radiallahu anhu, qu'Allah lui accorde sa grâce, avait tardé de prêter allégeance à Abu Bakr durant les premières heures. Mais quand il est retourné chez lui, l'idée lui a passé par la tête pour une raison inconnue et sans même porter son turban. Il s'est présenté sur le champ pour prêter allégeance au calife. Par la suite, il a demandé qu'on lui ramène son turban. On en déduit qu'il s'était dit que ce retard était un grand péché
Et il est parti donc avec un tel empressement qu'il n'avait même pas pris son turban. Ainsi donc, sans se vêtir complètement, il s'était présenté au plus vite au calife Abu Bakr. Selon d'autres récits, Ali avait prêté allégeance au calife Abu Bakr après le décès de Fatima. D'après le recueil d'Al-Bukhari, il ne l'avait pas fait jusqu'au décès de Fatima. Mais nombre d'ulema ont mis en doute ce récit de Bukhari. L'imam Bayhaqi mentionne un récit de l'imam Shahabuddin Zuhri dans son ouvrage « As-Sunnatul Kubra ». L'imam Shahabuddin commente sur la possibilité qu'Ali n'ait prêté allégeance à Abu Bakr qu'après le décès de Fatima radhiyallahu anha. Il déclare que la chaîne de transmission de ce récit est incomplète. Ainsi, l'imam Zuhri commente sur la possibilité qu'Ali ait prêté allégeance à Abu Bakr qu'après le décès de Fatima radhiyallahu anha. Mais il déclare que ce récit a une chaîne de transmission qui est incomplète et que le récit d'Abu Saïd Khoudri est plus authentique. Le récit d'Abu Saïd al-Khoudri est plus authentique. Il relate qu'Ali avait prêté allégeance à Bakr avec les autres à la Thaqifa. D'autres ulémas ont concilié ce récit avec celui d'Al-Bukhari en disant que la deuxième allégeance était en fait un renouvellement de la première allégeance. Vu que ce récit est évoqué dans un ouvrage aussi important qu'Al-Bukhari, ces ulémas ont préféré donner un nom à cette deuxième serment d'allégeance. En tout cas, il n'est point avéré que tous les récits d'Al-Bukhari sont authentiques. Dans son ouvrage « Sirat Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib, Shakhsiyatuhu wa Asruhu », le docteur Ali Mohamed Salabi déclare que selon Allama ibn Kathir et tant d'autres érudits, Ali a renouvelé sa bayra après le décès de Fatima, soit 6 mois après. Ainsi, il aurait renouvelé sa bayra selon eux. Il avait fait sa bayra et il a renouvelé après le décès de Fatima radhiyallahu anha. Allama ibn Kathir relate que lorsque Fatima radhiyallahu anha est décédée, Ali a cru bon qu'il devait renouveler son serment d'allégeance. Le Messie premier Islam a commenté à ce propos dans son ouvrage en arabe Sirul Khilafa. Je vous présente la traduction de ce passage en arabe. Il déclare que d'aucuns accusent le calife Abu Bakr as-Siddiq d'avoir usurpé le poste de calife qui revenait de droit à Ali radhiyallahu anhu. Le Messie premier Islam déclare à ce propos que même si nous acceptons que le grand as-Siddiq Abu Bakr a accordé préférence à ce monde et à ses fastes, si on accepte qu'il convoitait le poste de calife et qu'il était un usurpateur, eh bien, nous allons devoir accepter aussi en ce cas qu'Ali, le lion d'Allah, était lui aussi un hypocrite, qu'Allah nous en préserve, et qu'il n'avait pas abandonné le monde pour désirer la personne de Dieu. Nous allons devoir accepter au contraire, na'udzubillah, qu'il était avide de ce monde, de ses attraits et de ses fastes. Et c'est pour cette raison qu'il n'a pas abandonné la compagnie des mécréants et des apostats, c'est-à-dire d'Abu Bakr et du calife Omar. Ces accusateurs usent en fait de paroles très blessantes à l'endroit d'Abu Bakr, le califant des mécréants. Le Messie premier Islam ajoute, on devra accepter au contraire qu'Ali avait preuve de lâcheté et qu'il s'était joint au nouveau calife et qu'il aurait caché sa foi pour environ 30 ans. Si, aux yeux d'Ali, Abu Bakr as-Siddiq était un usurpateur, pourquoi lui avait-il prêté allégeance et pourquoi n'avait-il pas quitté cette terre d'injustice, de trouble et d'apostasie pour émigrer ailleurs? La terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour émigrer ailleurs, en accord à la pratique des gens imbus de taqwa? Voyez l'exemple d'Abraham et sa défense virulente de la vérité. Il a fait preuve d'une grande constance quand il a constaté que son père s'était égaré du droit chemin et que son peuple vouait culte aux idoles en ayant abandonné le Dieu véritable.
Eh bien, sans peur et sans se soucier de ces gens, Abraham s'est détourné d'eux. Il a été placé dans le feu et il n'a même pas caché sa foi par peur des méchants. Telle est la pratique des pieux. Ils n'ont pas peur de la glaive ou de la lance. À leurs yeux, la taqiya ou le fait de cacher sa foi est un péché très grave. C'est un acte immoral, une transgression. Si jamais ils commettaient la moindre action de ce genre, eh bien, ils se seraient retournés vers Dieu avec le repentir. Ainsi, je m'étonne qu'Ali et prêter allégeance au calife Abou Bakr et Omar tout en sachant pertinemment bien qu'ils étaient des mécréants et des usurpateurs. Qu'Allah nous en préserve. Ali a partagé leur compagnie pour une longue période et il les a suivis tous deux en toute sincérité. Il n'a jamais fait preuve de faiblesse à cet égard. Il n'a jamais exprimé son dégoût à ce propos. Aucune autre raison ou même sa piété ne l'ont pas empêché de suivre ces deux califes, tandis qu'il était bien au courant de leur méchanceté, de leur incrédulité et de leur impiété. En sus de cela, il n'y avait pas de grand obstacle et d'entrave entre Ali et le peuple arabe. Il n'avait pas été fait prisonnier non plus. En pareil cas, il lui incombait d'émigrer dans quelque autre partie de la péninsule arabique. Ali ne vivait pas sous la contrainte et il aurait pu partir ailleurs. Il aurait dû pousser la population à prendre les armes. Non seulement aurait-il pu émigrer ailleurs, mais il aurait pu inciter la population à prendre les armes en insinuant que ces deux califes sont des mécréants et des apostats. Il aurait pu encourager les bédouins à prendre les armes. Il aurait pu avoir le dessus sur eux grâce à son éloquence et se battre contre les apostats. Environ 100 000 bédouins s'étaient réunis autour de Musaylima le menteur. Ali, quant à lui, avait plus droit de ce soutien. Il était plus à même de mener ses campagnes. Pourquoi donc Ali s'était-il soumis à ces deux premiers califes que vous prétendez être des mécréants? Vous dites qu'il était le chef légitime, mais il n'a pas bougé le petit doigt à l'instar d'un paresseux et il n'a rien entrepris tel un guerrier. En dépit de la présence de tous ces signes de sa légitimité et de son ascendant, qu'est-ce qui l'avait empêché de se rebeller contre les deux premiers califes? Pourquoi n'a-t-il pas pris les armes? Pourquoi n'a-t-il pas défendu la vérité? Pourquoi n'a-t-il pas soulevé les gens contre ces deux premiers califes? N'était-il pas le plus éloquent des prédicateurs, celui dont les paroles étaient vivifiantes? Une heure au moins aurait suffi pour lui pour réunir les gens autour de lui grâce à son éloquence. Étant donné que les gens s'étaient réunis autour d'un archimenteur, le lion de l'art, Ali aurait dû réagir différemment, lui qui avait accompli des chefs-d'œuvre, lui qui était le bien-aimé de Dieu. Il est tout à fait étonnant qu'il ne s'était pas uniquement contenté de prêter allégeance à Abou Bakr et à Omar, mais il accomplissait toutes ses prières derrière eux et il n'en a jamais raté une occasion. Il ne s'est pas détourné de cette pratique à l'instar de ceux qui se plaignent. Il a participé dans leur choura et il a témoigné en leur faveur. Il les a soutenus de toutes ses forces et de toutes ses aptitudes et il n'a jamais reculé à cet effet. Réfléchissez et dites-moi si c'est là un signe d'un opprimé et d'un négateur. En dépit d'avoir connaissance de leur prétendu mensonge et de leur prétendue tromperie, Ali n'a cessé de les suivre comme si la vérité et le mensonge étaient les mêmes à ses yeux. Ali Aradutranho ne savait-il pas que ceux qui placent leur confiance en Dieu le Tout-Puissant ne suivent pas un seul instant la voie de la lâcheté, même si on les brûle vivants, même si on les tue, même si on les réduit en 1000 morceaux. Ainsi donc,
Le Messie premier l'Islam a expliqué clairement que Ali ne s'est jamais opposé au premier calife de l'Islam. Au contraire, Ali leur a prêté allégeance. Affirmer qu'Ali n'a pas prêté allégeance à Abu Bakr avilit son statut et ne rehausse pas son statut. Voici les récits des services rendus par Ali à l'époque des trois premiers califes. Après le décès du saint prophète Mohammed Peace soit lui, de nombreuses tribus ont suivi la voie de l'apostasie et les hypocrites se sont soulevés à Médine. Un nombre important des Banu Hanifa et des gens de Yamama ont suivi Mousselama le menteur. Les Banu Asad et Banu Taï et d'autres se sont réunis autour de Tolaira Asadi. Tolaira Asadi, qui s'était lui aussi proclamé prophète à l'instar de Mousselama le menteur. Ainsi donc, les malheurs ont pris de l'ampleur et la situation s'est aggravée. Quand Abu Bakr a envoyé l'armée d'Oussama, il restait très peu de gens autour de lui à Médine. Et nombre de Bédouins souhaitaient envahir Médine, et ils ont fait des plans pour l'attaquer. Sur ce, Abu Bakr Siddiq a posté des détachements sur les différentes routes menant à Médine pour surveiller Médine durant la nuit. Ali bin Abi Talib, Zubair bin Al-Awwam, Talha bin Abdullah, Sa'ad bin Abi Waqas, Abdurrahman bin Auf et Abdullah bin Masoud faisaient partie des chefs de ces détachements. C'est-à-dire que Ali était un de ses chefs des détachements chargés d'assurer la protection des routes menant vers Médine. Lorsque la nouvelle du décès du saint prophète Mohammed Peace soit lui s'est répandue, la plupart des tribus arabes se sont rebellées et ils ont refusé de payer la zakat. Abu Bakr Siddiq a décidé de les attaquer. Selon Urwa, Abu Bakr Siddiq est sorti avec une compagnie de Muhajirin et d'Ansar. Quand ils sont arrivés tout près d'un étang d'eau dans la partie haute du Nedj, les Bédouins ont pris la fuite avec leurs femmes et leurs enfants. En fait, d'une part, ils se disaient musulmans, mais ils n'étaient pas des apostats, mais ils ne voulaient pas payer la zakat. C'est pour cette raison que menaient ces campagnes contre eux. On ne les punissait pas parce qu'ils étaient devenus des apostats. Quand ils ont pris la fuite, les membres du détachement ont suggéré à Bakr de retourner à Médine auprès de leurs femmes et de leurs enfants et de nommer quelqu'un d'autre à la tête de l'armée. Sur l'insistance des gens, il a nommé Khalid bin Walid chef de l'armée et il lui a dit que si ces Bédouins retournent vers l'islam et payent la zakat, ceux souhaitant retourner à Médine de parmi les soldats, eh bien, ils pourront le faire. Sur ce, Abu Bakr est retourné à Médine. Hazrat Muslim Aoud relate, l'histoire nous apprend que le calife Omar avait nommé Ali comme son suppléant à Médine lorsqu'il partait en voyage. Selon Tabari, les musulmans avaient subi une défaite entre les mains des persans lors de la bataille de Disr. Sur ce, suite au conseil de certains, le calife Omar souhaitait prendre la tête de l'armée musulmane sur la frontière persane. Il avait nommé Ali comme gouverneur de Médine pour le remplacer. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu relate, la plus grande défaite subie par l'islam fut à Disr. Une grande armée musulmane était partie affronter les Persans. Le général persan a dressé des embûches de l'autre côté de la rive et les a entendus. L'armée musulmane les a violemment attaqués et a avancé. Et à repousser les Persans. Mais c'était là une ruse du commandant persan.
il a détaché un flanc de son armée pour prendre le contrôle du pont et a lancé une nouvelle attaque contre les musulmans. Ces derniers ont effectué un repli tactique, mais ils ont constaté que l'ennemi contrôlait le pont. Tout paniqués, ils ont tourné dans l'autre direction, mais l'ennemi les a violemment attaqués. Un grand nombre de soldats musulmans ont été contraints de sauter dans la rivière et ils ont été tués. Cette perte des musulmans était si importante que les habitants de Médine en furent ébranlés. Le calife Omar radhiyallahu anhu a réuni les habitants de Médine et les a informés qu'il n'y avait aucune entrave entre Médine et la Perse. Médine était sans défense et l'ennemi pourrait l'atteindre en quelques jours. Je souhaite prendre personnellement la tête de l'armée, a déclaré le calife Omar. D'aucuns ont apprécié cette suggestion, mais Ali a déclaré : si vous tombez en martyr, eh bien les musulmans seront divisés. Ne partez pas en personne, envoyez quelqu'un d'autre. Sur ce, le calife Omar radhiyallahu anhu a demandé à Sa'd, qui se battait contre les Byzantins en Syrie, d'envoyer autant de soldats qu'il le peut à Médine, étant donné qu'elle est sans défense. Et si l'on n'arrête pas l'ennemi immédiatement, elle pourra en prendre le contrôle. Lorsque les troubles ont été éclatés lors du califat d'Othman, Ali lui a donné des conseils sincères pour rétablir la situation. Une fois, le calife Othman, radhiyallahu anhu, lui a demandé quelle était la raison véritable de ces troubles dans le pays et comment y remédier. En toute sincérité et franchement, Ali radhiyallahu anhu l'a informé que tous ces troubles avaient pour cause le manque de justice des officiels que le calife Othman avait nommés. Le calife Othman a déclaré : je les ai choisis en me basant sur les principes établis par le calife Omar radhiyallahu anhu. Pourquoi donc les populations se sont-ils soulevées contre eux ? Ali a répondu : certes, c'est vrai, mais Omar avait le dernier mot dans leur décision et son emprise était si ferme que même le chameau le plus rétif se plaignit. C'est-à-dire que sa gestion des affaires était très stricte. Mais vous, vous êtes trop indulgents et vos gouverneurs en profitent indûment pour faire ce qu'il leur plaise, sans que vous en ayez connaissance. Les populations croient que ces gouverneurs sont tout simplement en train de suivre les directives du califat. Et c'est ainsi que vous êtes la cible de tous leurs excès. Les Égyptiens ont assiégé la maison d'Othman, tant et si bien qu'ils le privaient même de nourriture et d'eau. Quand Ali en a eu connaissance, il s'est rendu auprès des assiégeants et il leur a dit que ce siège est contraire non seulement à l'islam, ce siège est contraire à l'humanité. Lorsque les mécréants emprisonnent les musulmans, ils ne les privent pas de nourriture. Quel tort le calife Othman a-t-il commis contre vous pour que vous soyez aussi dur à son égard ? Les assiégeants ne se sont guère souciés de l'intervention de Ali radhiyallahu anhu et ils ont refusé d'alléger le siège. Ali a jeté son amama tout en colère et il est parti. Les gens ont assiégé la maison d'Othman et ils ont arrêté l'approvisionnement en eau. Sur ce, Othman a regardé par-dessus son mur et a demandé « Ali se trouve-t-il parmi vous ?» Quand les autres ont répondu négativement, il a demandé « Sa'd se trouve-t-il parmi vous ?» Non, ont-ils répondu. Après avoir maintenu le silence pendant quelque temps, Othman a déclaré « Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui pourra demander à Ali de nous offrir de l'eau ?» Quand Ali a eu connaissance de cela, il a envoyé trois autres d'eau. Mais en raison de l'opposition des rebelles, on n'a pas pu envoyer cette eau à Othman radhiyallahu anhu. Plusieurs esclaves des Banu Hashim et des Banu Umayya ont été blessés en tentant d'envoyer ces autres d'eau. Mais finalement, ils sont parvenus à les envoyer. Lorsque Ali radhiyallahu anhu a su qu'on avait l'intention de tuer Othman, il a dit à ses fils, les imams Hassan et Hussein, prenez vos épées et placez-vous devant la porte du calife Othman et ne laissez aucun rebelle vous atteindre. En voyant cela, les rebelles ont commencé à envoyer des flèches sur la porte de la maison du calife Othman.
Hassan et Hussein et Mohammed bin Talha étaient tous trois en sang. En ces mêmes instants, Mohammed bin Abi Bakr et deux autres ont traversé par la maison de Ansari pour sauter sur la maison d'Othman et ils ont tué le calife Othman. Quand Ali a eu connaissance de cela et qu'il a constaté qu'Othman a été tué, il a demandé à ses fils « Comment cela s'est-il passé, tandis que vous assuriez la sécurité devant sa porte ?» Il a giflé Hassan, il a frappé Hussein à la poitrine. Il a conspué Mohammed bin Talha et Abdullah bin Zubair avant de rentrer chez lui tout en colère. Shaddad bin Aws relate, le jour dit Yom Uddad, et bien ce jour-là, le siège de la maison du calife Othman s'est endurci. Yom Uddad est le jour où les rebelles avaient encerclé la maison du calife Othman pour le tuer impitoyablement. Ce jour-là, le calife Othman a dit aux assiégeants, aux serviteurs de Dieu. Le rapporteur déclare, « J'ai vu Ali sortir de sa maison. Il portait la mama du saint prophète Mohammed paix soit sur lui et il avait ceint son épée. Il avait devant lui un groupe de muhajirin et d'ansar, dont Hassan et Mohammed bin Abdullah. Ils ont attaqué les rebelles pour les repousser. Ensuite, ils sont entrés dans la maison d'Othman. Ali a demandé au émir des croyants que la paix soit sur vous. Au temps du saint prophète Mohammed, paix soit lui, la religion était à son apogée et puissante tant qu'il a combattu les négateurs en compagnie des croyants. Par Dieu, je constate que les gens tenteront certainement de vous tuer. Donnez-nous la permission de les combattre. » Sur ce, le calife Othman a déclaré que tous ceux qui acceptent Dieu et qui croient que j'ai un droit sur lui, eh bien, je l'implore de ne pas verser la moindre goutte de sang pour moi et de ne pas verser son sang pour moi. Ali Radhiyallahu a fait la même requête, mais le calife Othman a donné la même réponse. Le rapporteur déclare, « J'ai vu Ali sortir de la maison du calife Othman en disant, « Oh Allah, tu sais très bien que nous avons fait de notre mieux. » Sur ce, il est parti dans la mosquée Nabawi. C'était l'heure de la prière. Les fidèles lui ont dit, « Oh Abul Hassan, veuillez diriger la prière. » Ali a répondu que je ne pourrai pas diriger la prière parmi vous tant que l'imam a été assiégé. Je vais prier en aparté. » Ainsi donc, il a prié tout seul avant de rentrer. Le fils d'Ali lui a dit, « Oh mon père, les ennemis ont lancé l'assaut contre la maison du calife Othman. » Ali a répondu, « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. » Par Allah, ils vont le tuer. Les gens ont demandé à Ali où sera le calife Othman après son martyr. Ali radhiyallahu anhu, par Allah, il sera au paradis. Les gens ont demandé, eh bien, où seront ceux qui l'ont tué au Abul Hassan? Il a répondu, par Allah, ils seront dans le feu. Il a répété cette phrase à trois reprises. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu relate les incidents après que les rebelles aient assiégé Médine. Les rebelles d'Égypte se sont rendus chez Ali, qui était à ce moment-là à l'extérieur de Médine, et il commandait une section de l'armée qui devait écraser les rebelles. Ils se sont approchés de lui et ils lui ont dit que le calife Othman n'était plus apte à agir comme calife en raison de son incompétence administrative et qu'ils étaient venus le destituer. Et il espérait que Ali accepterait ce poste à sa place. En ayant entendu leur proposition, Ali a montré un grand degré d'indignation religieuse, une indignation à la dimension de son statut, et il les a réprimandés durement. Et il a déclaré, « Tous les hommes pieux savent que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui avait prédit que les armées camperaient à Dhul Marwa et Dhul Khashab, là où les rebelles avaient établi leur camp. Et le saint prophète Mohammed paix soit sur lui avait maudit ces armées. Que Dieu vous détruise, allez-vous-en. » Les rebelles ont retorqué, « Très bien, nous allons retourner. » Après cela, ils sont partis.
حضرت عثمان کی شہادت اور اس کے بعد حضرت علی کی جو بیعت خلافت ہے اس کے بارے میں جو ذکر ہے. Voici la mention du martyr d'Othman et le serment d'allégeance prêté à Ali en tant que calife. J'en avais fait mention dans le passé en détail, j'évoque de nouveau ces faits brièvement ici. Quand le calife Othman est tombé à martyr, tout le monde, dont les compagnons et d'autres, ont couru vers Ali. Ils clamaient tous en cours de route, « Ali, l'émir des croyants », jusqu'à ce qu'il soit arrivé devant sa porte. Ils lui ont annoncé que « Nous vous prêtons allégeance, tendez votre main, car vous êtes la personne la plus digne à cet égard. » Ali a répondu, « Cette tâche ne vous revient pas, elle revient aux compagnons de Badr. Celui qu'ils choisiront sera élu calife. » Tous les compagnons de Badr se sont présentés à Ali et ils ont déclaré « Nous ne voyons personne d'autre plus digne pour ce poste que votre personne. Tendez votre main, nous allons vous prêter allégeance. » Ali a demandé « Où se trouvent Talha et Zubair ?» Talha est le premier à lui prêter allégeance verbalement et Saad était le premier à lui prêter allégeance sur sa main. Ayant vu cela, Ali est monté sur la chaire de la mosquée. Talha a été le premier à lui prêter allégeance. Zubair et les autres compagnons l'ont fait par la suite. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu a commenté sur les incidents après le martyr du calife Othman. Il déclare, après avoir tué le calife Othman, les rebelles ont pillé la Baytul Mal, c'est-à-dire la trésorerie, et ils ont annoncé qu'ils vont tuer tous ceux qui vont s'opposer à eux. Ils empêchaient les gens de se réunir. Personne ne pouvait se réunir. Donc, ils ont imposé comme un couvre-feu. Ils avaient imposé un siège très strict à Médine et personne ne pouvait sortir. Ils avaient imposé un couvre-feu et ils avaient même tenu en arrêt Ali radhiyallahu anhu, Ali qu'ils disaient aimé. Ils ont mis à sac la ville de Médine. Tel était leur état, mais un autre incident prouve la dureté de leur cœur. Othman était un saint homme que le saint prophète Mohammed avait hautement loué. Après l'avoir tué, ils ne l'ont pas laissé et ils ont empêché les musulmans d'enterrer sa dépouille pendant 3 ou 4 jours. En fin de compte, quelques compagnons l'ont enterré secrètement à la faveur de la nuit. Quelques esclaves avaient été tués en compagnie d'Othman et les rebelles ont empêché les musulmans de les enterrer et ont placé leur dépouille devant des chiens. Après avoir ainsi traité les dépouilles d'Othman et de ses esclaves, les rebelles ont laissé libres les habitants de Médine qui ne s'étaient pas opposés à eux. Les compagnons ont commencé à prendre la fuite. Pendant 5 jours, il n'y avait aucun gouverneur à Médine. Les rebelles souhaitaient élire leur propre calife et lui imposer leur volonté. Mais aucun des compagnons n'a voulu être le calife de ceux qui avaient tué le calife Othman radhiyallahu anhu. Les rebelles se sont rendus chez Ali, chez Talha, chez Zubair à tour de rôle et leur ont demandé d'accepter le poste de calife. Après leur refus et le fait que les musulmans n'accepteraient personne d'autre comme calife à leur place, eh bien, les rebelles ont eu recours à la contrainte. Ils se sont dit que si personne d'autre n'était le calife, il y aura une tempête contre eux dans tout le monde islamique. Ils ont annoncé que si un calife est élu dans un délai de 2 jours, ce sera bien, sinon ils vont tuer Ali, Talha, Zubair et les autres grands compagnons. Les gens de Médine avaient peur du traitement qu'allaient réserver les meurtriers d'Othman à l'égard de leurs femmes et de leurs enfants. Ils sont partis voir Ali et ils lui ont demandé d'accepter le poste de calife. Mais Ali a refusé en disant que si je suis élu calife, tout le monde dira que j'ai commandité le meurtre du calife Othman. Je ne pourrai pas me débarrasser de ce fardeau. Talha et Zubair ont dit la même chose et tous les autres compagnons ont refusé le poste de calife. En fin de compte, tout le monde est retourné voir Ali radhiyallahu anhu et ils lui ont demandé de porter ce fardeau.
Finalement, il a accepté à condition que tout le monde se réunisse dans la mosquée et l'accepte comme calife. Ainsi, les gens se sont rassemblés dans la mosquée et ont prêté allégeance à Ali radiallahu anhu. Cependant, certains ont refusé de prêter allégeance à un nouveau calife jusqu'à ce que ceux qui ont tué Othman soient punis, tandis que d'autres, qui étaient peu nombreux, ont déclaré qu'un calife ne devait pas être choisi tant que les opinions des personnes en dehors de Médine n'étaient pas connues. Ali radiallahu anhu a accepté le poste de calife dans de telles circonstances. Mais les événements se sont déroulés comme il l'avait craint, et les gens à travers le monde islamique ont commencé à dire qu'Othman avait été assassiné sur l'ordre de Ali radiallahu anhu. Hazrat Muslim Maud radiallahu anhu déclare : si nous mettons tous les attributs et les qualités de Ali de côté, à mon avis, le fait d'accepter la fonction de calife en ces temps aussi périlleux était une démarche très courageuse, digne d'éloge et d'admiration. Pour le bien de l'islam, il ne se souciait pas de sa personne ni de son honneur et il a endossé ce lourd fardeau. Hazrat Muslim Maud radiallahu anhu commente en ces termes à propos des incidents qui ont suivi le martyr du calife Othman radiallahu anhu. Il déclare que pendant environ un jour ou deux, les rebelles ont mis à sac la ville de Médine. Cependant, lorsqu'ils se sont calmés, les rebelles ont commencé à s'inquiéter de leur sort et ils ont eu peur de la suite. Certains pensaient que puisque Mouawiya était un homme puissant, il tenterait certainement de venger le martyr d'Othman radiallahu anhu. Par conséquent, ils se sont mis en route vers la Syrie et là-bas, ils ont commencé à se plaindre du martyr d'Othman et du fait que personne ne tentait de le venger. D'autres rebelles ont couru vers la Mecque et ont rencontré Zubair et Aïcha en cours de route. Et ils ont dit que le calife de l'islam est tombé à martyr, mais les musulmans ne bougent pas le petit doigt. D'autres ont déclaré à Ali que c'était une période de grande adversité et que nous craignons que l'État islamique ne s'effronde. Ils lui ont dit d'accepter le poste de calife afin d'établir la paix, afin de dissiper la peur des gens. Les compagnons de Médine étaient également d'avis qu'il était préférable pour Ali d'accepter le poste de calife, car ce sera une source de grande bénédiction et de plaisir de Dieu. Voyant qu'il était contraint de toutes parts, bien qu'il avait refusé à plusieurs reprises dans le passé, il a finalement accepté cette responsabilité et il a accepté l'allégeance des fidèles. Il n'y a aucun doute que cette action de Ali était pleine de sagesse. S'il n'avait pas accepté le serment d'allégeance des fidèles, un mal encore plus grand aurait frappé l'islam, un mal plus grand que le conflit entre Ali et Mouawiya. Telle était la conclusion de Hazrat Muslim Maud, radiallahu anhu. Il déclare en outre, il ne faut pas oublier qu'il est faux de dire qu'après avoir prêté allégeance à Ali, Talha et Zubair ont enfreint leur serment. Certains disent qu'ils avaient prêté allégeance à Ali de gaieté de cœur. Il n'en fut pas ainsi. Hazrat Muslim Maud a expliqué cela ici. On dit que Talha et Zubair ont brisé leur serment d'allégeance et se sont joints à Aïcha et se sont battus contre Ali. Hazrat Muslim Maud explique à ce propos, cet exemple est malvenu et cela prouve votre ignorance de l'histoire. Il n'en fut pas le cas. L'histoire témoigne à l'unanimité du fait que Talha et Zubair n'ont pas volontairement prêté allégeance à Ali, mais ils ont été obligés de le faire. Selon Tabari, deux narrateurs nommés Muhammad et Talha relatent que lorsque Othman a été martyrisé, eh bien, les gens se sont consultés et ils ont décidé que le prochain calife doit être nommé dans les plus brefs délais afin d'établir la paix et mettre fin aux troubles. Finalement, les musulmans sont partis voir Ali et lui ont demandé d'accepter leur serment d'allégeance. Ali radiallahu anhu leur a dit, « Si vous souhaitez me prêter allégeance, vous allez devoir m'obéir pour toujours. » Si vous êtes prêt à accepter cette condition, eh bien, je suis prêt à accepter votre serment d'allégeance. Sinon, vous devez désigner quelqu'un d'autre comme calife. Je lui serai toujours fidèle. En fait, je serai plus obéissant au nouveau calife qu'aucun d'entre vous. Ils ont répondu qu'ils étaient prêts à lui obéir. Ali a déclaré, eh bien, pensez-y et tenez conseil entre vous.
Ils se sont consultés et ils ont décidé que si Talha et Zubair prêtaient allégeance à Ali, tout le monde le fera. Tant que Talha et Zubair ne prêtaient pas allégeance à Ali, la paix ne sera pas établie. Ainsi, Hakim bin Jabala et d'autres personnes ont été envoyées à Zubair, tandis que Malik Ashtar et d'autres hommes ont été envoyés chez Talha. Tous deux ont brandi leurs épées et leur ont demandé de prêter allégeance. Ils ont tiré leurs épées et ils les ont demandé de prêter allégeance à Ali, sinon ils allaient les tuer. Ainsi, Talha et Zubair ont été contraints de prêter allégeance, après quoi les deux groupes sont retournés. Le lendemain, Ali est monté sur la chaire de la mosquée. Il a déclaré aux gens, « Hier, vous m'avez envoyé un message auquel j'ai répondu que vous devez y réfléchir. Avez-vous réfléchi à ce sujet? Êtes-vous toujours prêt à accepter ce que j'ai dit hier? Si tel est le cas, eh bien souvenez-vous que vous devez faire preuve d'une obéissance parfaite à mon égard. » Sur ce, ils sont retournés vers Talha et Zubair et ils les ont ramenés de force. Il est dit clairement dans le récit que lorsqu'ils sont partis voir Talha et lorsqu'on leur a dit de prêter allégeance, eh bien, Talha a répondu, « Je suis obligé de prêter allégeance, je ne le fais pas volontairement. » De même, lorsqu'on est parti voir Zubair et lorsqu'on lui a demandé de prêter allégeance, il a répondu de la même manière en disant que vous m'obligez à prêter le serment d'allégeance, je ne le fais pas volontairement. De même, Abdurrahman bin Jundub raconte de son père qu'après le martyre d'Othman, Ashtar est parti voir Talha et lui a dit de prêter allégeance. Talha a déclaré que « Donnez-moi un peu de temps, je veux voir ce que les autres décident de faire. » Mais Ashtar n'a pas accepté sa réponse. Il l'a traîné durement par terre comme on traîne une chèvre et il l'a ramené avec lui. Hazrat Muslim Maud radiallahu anhu déclare à ce sujet que lorsque Talha, le compagnon du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, s'est opposé à Ali en raison d'un conflit, et quand il s'est rendu compte qu'il était lui-même en faute, eh bien, Talha a quitté le champ de bataille. Voici donc le récit du moment où Talha s'est opposé à Ali et ne lui a pas prêté allégeance. Hazrat Muslim Maud explique qu'en effet, il était sorti pour combattre Ali radiallahu anhu. Au début, Talha avait été forcé de lui prêter allégeance, mais plus tard, il est parti se battre contre lui. Ce qui signifie qu'il a été forcé de prêter allégeance et plus tard, lorsque l'occasion s'est présentée, il a eu un différend et il a eu la bataille. Cependant, Talha s'est rendu compte plus tard que Talha avait raison et il a quitté le champ de bataille. Hazrat Muslim Maud écrit à ce propos que Talha rentrait chez lui quand un misérable qui se considérait comme étant de l'armée de Ali l'a tué. Ensuite, ce meurtrier est parti voir Ali et souhaitant une récompense, il lui a dit « Je vous donne la bonne nouvelle d'avoir tué Talha, votre ennemi. » Ali a répondu « Au nom du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, je vous donne la bonne nouvelle de l'enfer. » J'ai entendu le saint prophète Mohammed paix soit sur lui déclarer que Talha sera tué par une personne qui méritera l'enfer. En faisant référence à cet incident, Hazrat Muslim Maud déclare, Hakim rapporte que Thor bin Majza m'a informé que le jour de l'incident de Jamal, je suis passé tout près de Talha. Il était dans un état critique. Il avait donc été blessé. Il était sur le point de mourir. Il m'a demandé à quel groupe appartiens-tu. J'ai répondu, j'appartiens au groupe de la Jamaat de Ali, l'émir des croyants. Il a déclaré, alors donne-moi ta main afin que je puisse prêter allégeance sur ta main. Ainsi, il a fait la baïra sur ma main et il a rendu l'âme. J'ai relaté tout cela à Ali et en entendant cela, il a déclaré, Allahu Akbar. La parole du messager d'Allah s'est pleinement accomplie. Allah souhaitait que Talha n'entre pas au paradis sans m'avoir prêté allégeance. Il faisait partie des 10 bienheureux. Son allégeance initiale a été faite sous la contrainte, mais comme je l'ai dit, avant de mourir, il a prêté allégeance par conviction totale. Il était pieux et il était donc doué de ses bonnes qualités.
Et Allah avait promis qu'il ira au paradis, c'est pour cette raison qu'il ne souhaitait pas qu'il quitte ce monde sans avoir prêté allégeance au calife. C'est ainsi qu'elle a eu l'occasion de prêter allégeance au calife. Il y a d'autres faits que je dois mentionner à ce propos, j'en ferai mention, Inch'Allah, à l'avenir. Je souhaite de nouveau attirer votre attention concernant les prières pour les Ahmadis de l'Algérie et du Pakistan. Priez pour eux, qu'Allah les protège. La situation est de plus en plus difficile en Algérie. Il y a le procureur de l'État qui intente des procès contre les Ahmadis de l'Algérie. Au Pakistan de même, les Ahmadis doivent faire face à une situation difficile. Qu'Allah attrape toutes ces personnes qui sont en train de créer ces difficultés et les opposants. Et qu'il facilite la vie des Ahmadis de ces deux pays. Qu'Allah fasse que ces Ahmadis puissent sortir de ces difficultés. Mais je souhaite également dire aux Ahmadis du Pakistan qu'ils ne se consacrent pas aux prières comme ils devraient le faire. Ils doivent prier davantage, plus qu'auparavant. Priez pour qu'Allah nous fasse sortir rapidement de ces difficultés et qu'il facilite cette situation et qu'il nous permette de transmettre librement le message de l'islam véritable au Pakistan et ailleurs dans le monde entier. Après les prières, je vais diriger les prières funéraires en l'absence des dépouilles de quelques personnes. Le premier défunt se nomme le docteur Tahir Ahmad Derabwa. Il était le fils du martyr Chaudhry Abdurazak, qui était l'ancien amir du district de Nawabshah. Il est décédé le 4 décembre dernier à l'âge de 60 ans des suites d'une crise cardiaque. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le défunt était un médecin fonctionnaire. Il a eu sa première crise cardiaque en 1995. En dépit de sa santé fragile, il s'était fait muter à Miti afin qu'il puisse servir dans l'hôpital Al-Mahdi qui dépend du programme Waqf-e Jadid. Le défunt était ophtalmologue et il avait l'habitude de soigner les patients de l'hôpital Al-Mahdi tous les dimanches soirs. Il se rendait à l'hôpital son jour de repos. Il participait régulièrement dans les camps médicaux organisés par la communauté et parfois il passait toute la journée dans le bloc opératoire. En Tarpakar, il était très apprécié par les membres de la communauté et aussi par ceux qui n'appartenaient pas à la communauté. Il était apprécié de tous. Il avait subi un pontage cardiaque. Il avait subi des douleurs intenses deux ou trois fois ces dernières années, mais en dépit de cela, il n'a cessé de travailler à Tarpakar. Il a passé près de 15 ans au service de l'humanité Amiti. C'était un homme qui s'occupait beaucoup des pauvres. Il était très hospitalier. Il avait un grand respect pour le califat et pour la Nizam-e Jamaat. Il était moussi dès son jeune âge, il participait dans tous les fonds de la communauté. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde, qu'il exalte son rang et qu'il permette à ses enfants de perpétuer ses bonnes œuvres et de suivre sa voie. Ensuite, je vais diriger la prière funéraire de Habibullah Mazhar, fils de Chaudhry Aladeta Saheb. Habibullah Mazhar Saheb avait été emprisonné en raison de sa foi. Il est décédé le 24 octobre dernier à l'âge de 75 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Son père avait rejoint l'Ahmadiyya en prêtant allégeance aux mains du deuxième calife. Chaudhry Habibullah Mazhar a occupé plusieurs postes en tant que fonctionnaire de l'État. Ensuite, il a pris sa retraite en tant que directeur d'un département gouvernemental. Il a servi la communauté pendant plus de 50 ans en différents postes. Il a servi en tant que Qaïd Majlis, en tant que Zayman Sarullah, et il a occupé d'autres postes. Il a également servi en tant que président d'une communauté locale. Chaudhry Habibullah Mazhar, le défunt, était la première personne contre laquelle un procès a été intenté pour blasphème envers le Saint-Prophète, paix soit sur lui, conformément à l'article 295.
Il a été condamné à mort. On avait porté cette accusation contre lui le 29 octobre 1991 au commissariat de Charta. Historiquement, il a été le premier Ahmadi à avoir été emprisonné en vertu de cette loi. Le tribunal de petite instance a jugé en sa faveur, mais les opposants ont fait appel. Et le juge de la Cour suprême, Abdul Majid, a rejeté sa libération sous caution. Et les opposants ont tout fait afin de le faire condamner. Ils ont distribué des tracts en langue anglaise, en langue ourdou, et ils ont utilisé des termes très diffamants à son égard. Chaudhry Habibullah a enduré les épreuves de l'emprisonnement avec beaucoup de courage et de bravoure au cours de cette période. Et après quelques mois, il a été libéré suite à des circonstances créées par Allah lui-même. Le défunt offrait régulièrement la prière de Tahajjud. Il était régulier dans ses prières quotidiennes. Et jusqu'à ses derniers moments, il exhortait ses enfants à être réguliers dans leurs prières. Il était très sincère, il était très humble, compatissant, il avait une grande passion pour le califat. Il écoutait régulièrement les sermons et les discours, et à l'heure du sermon, il demandait aux membres de sa famille de tout arrêter et d'écouter le sermon du vendredi. Et il faisait écouter tout le monde le sermon à sa présence. Par la grâce de Dieu, il était moussi et il avait légué 1/9 de ses biens dans son testament. Il laisse derrière lui son épouse Ruqiya Begum Sahiba, 5 fils et 1 fille. Un de ses fils, Hassib Ahmad, est missionnaire de la communauté et il est en train de servir dans le bureau anglophone de la fondation Fazli Omar. Qu'Allah accorde son pardon et sa miséricorde aux défunts. Et qu'Allah fasse que ses enfants puissent perpétuer ses bonnes œuvres. Ensuite, je vais diriger la prière funéraire de Bashiruddin Ahmad. Il s'appelle Khalifa Bashiruddin. Il est décédé le 30 novembre dernier à l'âge de 86 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était né à Ferozpur en Inde. Il était le fils du docteur Khalifa Taqiuddin et le petit-fils de Hazrat Dr. Khalifa Rashiduddin. Le docteur Khalifa Rashiduddin était le père de Hazrat Umme Nasir, qui était la première épouse du deuxième calife. Le Messie premier des salams a écrit un passage élogieux au sujet de Hazrat Khalifa Rashiduddin pour ses sacrifices financiers. Le défunt fait partie de sa descendance. Il participait également dans les activités de la communauté et il invitait les non-Ahmadis chez lui pour leur transmettre le message. En 1998, il est retourné en Suède. Il a habité dans plusieurs régions. Ensuite, en 1999, il a eu une crise cardiaque. Après s'être rétabli, il s'est impliqué dans les activités de la mosquée. Il a servi comme secrétaire de tablir. Il venait tous les ans à la Jalsa Salana du Royaume-Uni avec son épouse et ses enfants. Il laisse derrière lui son épouse, 3 filles et 2 fils. Son épouse est une Anglaise. Elle s'est convertie du christianisme à l'islam. Elle portait toujours une tenue très décente et le voile. Elle vivait de façon très simple et elle prenait un grand plaisir à acquérir des connaissances religieuses et elle a toujours tenté de mettre en pratique les enseignements religieux. Qu'Allah fortifie sa foi et qu'il permette à ses enfants de suivre ses nobles actions. Et qu'Allah accorde son pardon et sa miséricorde aux défunts. Ensuite, je vais diriger la prière funéraire de Mme Amina Ahmad, qui était l'épouse de Khalifa Rafiuddin Ahmad Saheb. Elle est décédée le 19 octobre dernier. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La défunte était originaire de la Guyane. Elle est née en 1940 dans une grande famille commerçante musulmane de la Guyane. Elle s'est convertie à l'Ahmadiyya durant ses années d'études à Londres. Et elle avait épousé à la même époque Feu Ahmad Saheb, le fils du docteur Khalifa Taqiuddin.
Khalifa Taqiuddin, qui était un descendant de Hazrat Khalifa Rashiduddin. La défunte était une femme emplie de sympathie. Elle s'occupait des autres et elle était imbue d'un grand sens de l'hospitalité. Elle accomplissait ses prières régulièrement et elle était très soucieuse à cet égard. En dépit de sa santé fragile, elle accomplissait la prière de Tahajjud. Elle récitait régulièrement le Saint-Coran. Malgré sa santé fragile et son cancer, elle a participé dans chaque jalsa du Royaume-Uni. Elle avait une grande confiance dans la prière. Elle était très sincère et fidèle envers le califat. Lorsqu'elle me rencontrait, elle faisait preuve d'une grande humilité et demandait de prier pour elle. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde et qu'il permette également à ses enfants de maintenir une relation solide avec la communauté. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر